Oh. Ce soir, Bronlette Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo achat, euh, caché autre numéro 145, ça fait un petit moment que nous ne sommes pas parlé, ça s'entend d'ailleurs, j'ai plus l'habitude de parler avec des gens, d'ailleurs là je parle seul... Je me sens... Non, je vais pas commencer la vidéo comme ça. <laughs> je pars direct en live. Il est quoi 6h30 du matin, le mec il raconte déjà euh, n'importe quoi. Donc, ravi de vous retrouver. Euh, pour l'occasion, hein, c'est un peu comme un anniversaire. Euh, ça se fait. J'ai allumé euh, non pas un gâteau, mais une Yankee Candle pas en raisin. Ça me met dans l'ambiance du petit-déj, hein, comme je vous ai dit, il est 6h30 du mat. Je profite de ce moment-là parce qu'en ce moment, je suis euh, débordé. Et donc, euh, c'était le moment où jamais de faire une petite vidéo. Euh, je reviens de Crète, euh, j'ai plein de choses à faire, je passerai les détails de ma vie personnelle, mais disons que voilà, euh, ceci explique cela. On va commencer tout de suite, euh, sans s'étendre davantage euh, sur, euh, sur mes, les aléas de ma vie, euh, pour euh, vous présenter euh, une partie de. Euh, de mes derniers achats il y, a, il y a toujours beaucoup de choses alors je vous cacherai pas qu'en ce moment je suis très euh, très musique euh, j'ai je me suis acheté une euh, des Denon une très sympa la DM41 fab euh, enfin, bref Quelque chose de vraiment très très cool, et euh, je suis un peu dans ma période musique donc il y a pas mal d'albums que je cherche, euh, et donc c'est un peu mon truc. Alors, j'ai pas mis les films de côté du tout, hein, mais disons qu'en ce moment je mets un peu plus l'accent là-dessus, et surtout qu'au niveau des sorties films, il n'y a, a pas de truc extraordinaire. Hein. J'ai déjà précommandé ce dont j'avais envie. Euh, là, c'est les French Days, franchement, on ne veut pas dire que c'est l'éclat total, il n'y a rien qui m'a motivé euh, à donner les, mes numéros de carte bleue ni sur Amazon ni sur Fnac, euh, et puis voilà. Donc, je vous présente des achats qui, qui datent de quelques temps, euh, divers et variés. <laughs> je vais commencer tout de suite avec. Euh, je vous ai présenté il y a quelques temps euh, le Steelbook euh, de Ex Machina. Avec euh, la belle euh, Alicia euh, Vikander hein, dans le rôle d'Ava, euh, l'intelligence artificielle, la femme robot, hein, dont, euh, dont je suis tombé amoureux euh, au premier visionnage. <laughs> Moi, je serais tombé dans le panneau direct, hein, ça c'est sûr, hein, enfin, pour ceux qui ont vu le film évidemment. Donc, Ex Machina, ça a été un très très bon, euh, une très très bonne surprise parce qu'au moment où je l'avais acheté à l'époque en amarré, euh, J'en avais entendu parler euh, deux personnes. Euh, C'est vraiment, on va dire, le synopsis qui m'avait, qui avait motivé l'achat et euh, j'ai pas été déçu mais même pas déçu du tout j'ai été enchanté par ce film j'ai vraiment adoré donc euh, j'avais lâché la marée pour ce pour ce steelbook et puis il y, y a pas super super longtemps je suis tombé sur cette version de de ce steelbook hein, qui est également très très sympa euh, à un prix dérisoire au niveau de mon cash, et vu que c'est un film que j'aime beaucoup euh, voilà c'est je je me devais de je pouvais pas franchement je pouvais pas le laisser en rayon en gros je vais vous le dire à 5,90€, euh, dans un état absolument neuf euh, je ne pouvais, pouvais pas passer à côté, c'était pas possible donc euh, bah, j'ai deux stickbooks euh, de Ex Machina euh, très différents pour un film euh, qui est important pour moi donc euh, aucun regret là-dessus au contraire Ensuite, je vous avais présenté il y a quelques temps euh, dans le Noz, j'avais trouvé euh, un livre vraiment très très bien fait, très joli, le Magasin des Suicides, hein, donc le, le, le dessin animé, l'animé de, de, de Patrice Lecomte, hein, euh, qui, est, qui est un dessin animé vraiment que j'adore. Et je vous avais dit que euh, paradoxalement, hein, effectivement, j'avais pris, euh, pris ce, ce, ce très gros bouquin du Magasin des Suicides et que je n'avais pas le film... Euh, euh, en matérialisé, et euh, c'est chose faite. Je me suis procuré depuis Cultura euh, donc euh, le magasin des suicides. Donc je suis ravi de l'avoir euh, en Blu-ray, Je le trouve vraiment génial. De toute façon, j'adore euh, l'univers de, de ce dessin animé, de cet animé. Donc euh, le magasin des suicides. Je vais pas, je vais pas vous refaire l'histoire. Hein. Je vous l'avais déjà un peu présenté pendant quand je vous avais présenté le bouquin. Euh, donc la maison tuvache, euh, voilà, qui qui vend la mort, mais euh, qui va avoir un enfant, qui, qui va redonner la vie euh, à toute cette euh, communauté. Ensuite, là, je ne vous présente pas ce film hein, que j'ai depuis euh, des lustres, euh, donc c'est euh, True Lies. Hein. Euh, D'ailleurs, à quand une édition Blu-ray hein, On se le demande. Ça, ça fait quand même chier qu'un film comme ça ne soit pas euh, disponible en Blu-ray dans une version qui vaille le coup. Pourquoi je vous le présente C'est qu'en faisant des achats... Euh, Cash la dernière fois, le mec avait eu une, une espèce de collection euh, de films, euh, le cinéma du Figaro, donc euh, des films sans sans boîtier en fait, hein, dans un espèce de d'étui cartonné euh, tout pourra Il me disait de toute façon, ça je les ai je les ai pris pour faire plaisir, euh, mais j'arriverai pas à les vendre. Euh, euh, si tu veux, tu peux en choisir, euh, tu, tu peux en prendre quelques-uns, quoi. Et aucun ne me ne motivait euh, <laughs> à en prendre, sauf La Totale, hein, qui est justement euh, le film qui a inspiré euh, le True Lies avec Schwarzy. Donc, euh, dans La Totale, on a tiré Hermit, Miu Miu, euh, Bougina et Eddie Mitchell. Euh, et donc, j'ai trouvé ça assez sympa de le prendre, effectivement, de découper pour que ça passe dans le DVD et mettre le film qui a inspiré True Lies dedans. Voilà. Ah, c'est les petits trucs euh, du, du collectionneur, hein, du mec qui s'amuse, qui, euh, qui euh, accorde beaucoup d'importance à chaque détail, en fait. Et c'est un peu, euh, effectivement, mon, mon truc. Euh, pas de, enfin, bref, bref. On va pas rentrer là-dedans, vous savez ce que c'est. Sinon, euh, pendant, pendant mon séjour en Crète, j'avais malgré tout aux heures des petits déjeuners euh, de la Wi-Fi au niveau de la réception, etc. Donc j'ai un peu regardé euh, vos vidéos quand j'en avais le temps. Euh, je ne vous cacherai pas que beaucoup euh, m'ont fait sourire, beaucoup m'ont fait rire. Certainement m'ont fait, fait pleurer par contre, voire même pleurer de rire. Il euh, y a des choses, il euh, y avait des choses très très intéressantes comme toujours. Hein. J'ai appris beaucoup en regardant vos vidéos. Après, j'ai entendu beaucoup de conneries comme d'habitude. Hein. Ça, ça, on ne va pas refaire le monde. Moi-même, j'en dis, mais là, j'en ai entendu des énormes. Hein. Enfin, je, voilà, je voudrais avec ces personnes, donc je ne dirai rien. Je, je, je vais prendre sur moi. Euh, et je vais continuer tranquillement à présenter mes petits achats. Voilà. Donc, nous étions soldats. Euh, un film avec et de... Mel Gibson, euh, We Were Soldiers, très très bon film de guerre. Donc là on est euh, sur euh, donc euh, 400 soldats hein, qui sont encerclés dans la vallée de la mort euh, avec 2000 Vietnamiens autour hein, et puis euh, en gros ça va être une lutte contre, euh, contre la montre, euh, une course contre la montre, euh, une lutte pour la survie de ces soldats et c'est une histoire vraie et euh, il s'agit du lieutenant colonel. Euh, Almour, hein, qui ne voulait pas rentrer euh, sans ses soldats, Là, ne pas se barrer et ne laisser personne sur place. Tout à son honneur. Ensuite, un film... Euh, alors, on sait que Ray Liotta, il a fait beaucoup de merde, hein, un peu comme euh, plein, plein de gens, Nicolas Cage, John Green, etc. Hein, ils ont eu des, des époques incroyables, et puis bref, hein, il faut bien bouffer, donc ils font des films, mais c'est pas forcément terrible, et on peut pas toujours le, les blâmer. Toujours est-il que celui-là m'a inspiré. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé, mais on va dire que depuis euh, Absolom 2022 et les les affranchis, euh, Reliota, euh, il n'y avait pas bah, eu de truc extraordinaire. Hein. Bon, si dans Copland il est très bon aussi. Euh, donc The Escape, mais euh, là je sais pas, je le sens bien, je le sens bien ce film. Dites-moi si vous l'avez vu, mais je le sens très bien. Euh, donc une histoire de, donc. Euh... Pour les protéger, elle s'enfuit avec eux, recherchée par la police pour enlèvement. Elle fait appel à Jim, membre réseau venant en aide aux victimes d'erreurs judiciaires. Ce dernier lui propose de lui fournir une nouvelle identité et de lui faire quitter le pays avant que son mari ne les retrouve. Le temps presse. Ça m'a l'air très très beau. Franchement, thriller euh, policier euh, qui m'a l'air très beau. Ensuite, un film que je n'avais pas, alors que j'avais, je sais plus comment, euh, peut-être même en VHS, mais euh, là, en fait, en regardant un peu dans ma, dans ma collection, ben, alerte, euh, non. J'étais tombé une ou deux fois dessus, mais avec des boîtiers euh, Warner, euh, vous savez, à claper. Comme je vous ai déjà dit mille fois, le format ne me dérange pas forcément, euh, mais par contre, faut il faut qu'ils soient en très bon état. Et c'est souvent euh, des boîtiers qui vieillissent très mal. Alors entre les attaches du milieu qui maintiennent le DVD ou euh, les clapets tout simplement, ou la qualité du carton, euh, ils sont soumis à rude épreuve. Et effectivement, ce sont des objets fragiles. Euh, mais qui, quand ils sont propres et quasi neufs, euh, moi, voilà, j'ai aucun problème avec eux, là, c'est la version euh, jaquette classique, hein, euh, donc de alerte, je vais appuyer sur pause, une seconde, voilà, je suis toujours de retour déjà. Donc une distribution de fou, hein. Dustin Hoffman, René Russo, Morgan Freeman, mais ça s'arrête pas là. On voit Donald Sutherland, Kuba Gooding Jr. Il y a Patrick Dempsey. Enfin, franchement, Kevin Spacey. Un monde de ouf pour un film catastrophe. Donc l'origine d'un virus qui vient d'un singe. Donc je trouve ça très très bien, tant mieux. <laughs> euh, je, de souvenir il était vraiment sympa et j'aime beaucoup ce genre de film vous le savez donc euh, je me devais euh, de le posséder et j'ai surtout très très envie de le revoir euh, qu'est-ce que je dois encore vous présenter oui, il y a encore pas mal de films euh, il, y a, il reste euh, pas mal de, de films DVD Blu-ray, euh, je vais vous présenter aussi des bandes originales hein, parce que comme je dis souvent, il faut rendre à César ce qui est à César. Euh, moi, ce que j'aime pas trop dans les vidéos de certains d'entre vous, hein, c'est qu'en fait, euh, quand ils achètent des choses, euh, ils font style que, que, que cette, euh, cet achat, euh, cette envie d'achat euh, est tombée du ciel ou l'erreur venue euh, comme par magie. Alors qu'on sait tous très bien qu'elles ont été euh, légitimées, inspirées par les vidéos d'autres. Et je vois vraiment pas où est le mal. Au contraire, c'est même un peu le but de nos chaînes, à savoir de partager. Et donc ouais, j'ai un peu de mal parfois avec les mecs qui présentent des trucs qu'on a présentés il y a une semaine, dix jours, qui viennent de le trouver et puis... Euh qui à aucun moment vont dire, oui, euh, il a été présenté il y a peu, ou ça m'a donné envie de, ou ça m'a fait repenser à, etc. Non, voilà. Surtout pas, surtout pas, ne surtout pas dire ça. Bon, moi, je, je, je m'attache à être un peu différent, et justement, à rendre à César ce qui est à César. Et, euh, bah, concernant les BO, hein, parce que là, les gens commencent à acheter des BO, <laughs> euh, mais on va dire que, que dans cette communauté, le mec, monsieur BO, ça reste Rémi, hein, de Steelbook Paradise, et euh, c'est justement, je l'avais Déjà dit, il me semble, hein, mais c'est en, en cherchant des BO pour lui où ça m'a carrément redonné hyper envie d'en avoir. Quand j'ai eu ces objets entre les mains, euh, je me suis dit, c'est vrai que, que j'adore la plus, enfin, plein de musiques de film, euh, que, que c'est vraiment un objet euh, complètement attenant euh, à notre passion. Et euh, voilà, et ça se trouve en plus à des prix très abordables, il y a vraiment des musiques incroyables. Et quand, quand on écoute ces musiques-là, on est un peu plongé dans le film. Et enfin bref, ça, ça a un intérêt énorme. Euh, et donc euh, voilà, je me suis remis à acheter euh, des BO par-ci par-là. Alors je vais euh, et donc je le remercie, voilà, tout simplement. Et euh, donc il y avait pas super longtemps, j'avais trouvé euh, à Media Markt hein, pour trois vous voyez, euh, la BO de Inglourious Bastards. Euh, alors la BO de, de celui-ci, je me souviens juste de la musique de David Bowie. Euh, qui est excellente euh, c'est euh, Cat people un hein, putting on the fire que j'ai dans ma bagnole que j'écoute régulièrement que j'aime vraiment beaucoup donc euh, voilà on va dire que de souvenirs vraiment précis euh, de la musique de girl's bastard il y a ce titre David, de David Bowie après je vous cacherai pas que j'ai aimé euh, beaucoup euh, la, la jaquette euh, de, de ce CD avec euh, la batte de baseball un peu ça me fait penser quand même à Negan à Walking Dead euh, <laughs> cette batte donc euh de l'ours juif je crois si je me souviens bien avec ce casque nazi à l'envers enfin franchement je voilà je trouve la, la jaquette très très jolie et ensuite je me suis pris euh, la BO là c'était euh, à cultura euh, dans l'offre une offre vraiment super intéressante qui va bientôt se terminer malheureusement mais euh, j'ai fait un carnage alors des BO j'en ai pris certes mais j'ai pas pris que ça hein, comme je vous ai dit euh, Grosse envie musicale et euh, plein, plein, plein. On a tous plein de musique euh, euh, sur des clés USB, des disques durs, des machins. Et puis finalement, bah, c'est un peu comme le cinéma, euh, le matérialiser, euh, beaucoup l'ont occulté. Euh, et moi, en retouchant ces objets, que ce soit euh, du vinyle euh, ou du CD, euh, je me suis rattaché à la chose et donc il y a plein de musiques de groupes importants euh, où je n'avais pas forcément euh, l'objet physique où justement bah, je m'attache un peu euh, à les trouver. Donc j'ai fait un, un, un beau carnage au niveau des CD euh, Cultura dans, dans l'offre. Euh, C'était sept CD pour 30 euros avec des trucs géniaux, donc euh, je me suis lâché. Bon bref, toujours, je reviens, je, je reviens à mes moutons. Donc, à, à Kill Bill, le volume 1. Alors la B.O. de Kill Bill, par contre, je la connais pareil. Enfin, euh, non, pas je la connais pareil, je la connais très bien parce que euh, je l'avais en C.D. Euh, pas forcément original à l'époque, hein, Mais ça remonte. Hein, je vous parle de ça au moment de sa sortie où j'avais adoré euh, la musique de Nancy Sinatra. Euh, C'est quoi déjà le titre Bang Bang, il shoot me down, machin. Où il y a eu, même eu des Mix de merde façon dance, techno et compagnie. Toujours est-il que cette BO, elle est très très bonne. La BO de Kill Bill 1 est très très bonne. Ensuite, j'avais trouvé ça, c'était dans. Alors, je sais plus si c'est. Oui, c'était un cache. Donc, la bande originale du flic de Beverly Hills numéro 3. Donc, avec une Various artistes, Avec du Inexcess, du TTDA, Intervenant Sandarbique, qui a complètement disparu, mais que je. Enfin, en tout cas, dans mon environnement, alors que j'adorais à l'époque. Voilà de suprêmes etc donc une bo apparemment justement en, en parlant avec Rémi, qui m'a dit qu'elle est pas forcément commune et facile à trouver euh, là ça me semblait évident qu'on parle bo euh, de me procurer la, la bo de Conan le Barbare hein, qui est une bo que je connais par cœur euh, que j'adore un film culte un film que j'ai vu des dizaines de fois étant adolescent et que je revois régulièrement qui, euh, qui n'a pas vieilli, que je trouve vraiment euh, toujours euh, topissime. Euh, j'adore ce film et j'adore cette BO, donc très très content. Hein. Donc une, une BO de Basile Paulet-Douris, hein, euh, qui m'enchante, voilà, qui m'extasie. Euh, qui, qui me, <laughs> euh, je vais vous présenter des comédies américaines, mais d'abord deux françaises, vite fait. Hein. Toujours en parlant de Rémi, hein, vous allez croire, hein, j'en parle beaucoup, mais bon, voilà. Hein on se parle beaucoup donc c'est logique je sais qu'il est hyper fan de Guillaume Canet donc je voilà ce film avec Marion Contillard hein, qui partageait sa vie qui partage peut-être encore je ne sais plus j'avoue que les Closer et compagnie c'est pas trop mon truc donc avec le rock'n'roll euh, je vais voir ce que ça donne je vois qu'il y avait encore Johnny Hallyday dans le casting hein. il y a Monsieur Leloup ça c'est déjà euh, c'est quand même plutôt pas mal parce que lui j'aime beaucoup bon bref donc rock'n'roll est un film que je n'ai pas vu et que je suis content d'entrer dans ma filmo Benoît Plouin. Euh, c'est narco ça ça, ça a l'air bien barré mais bien sympa euh, narco c'est pas pour euh, narco trafiquant, hein, c'est qu'il <laughs> est narcoleptique hein, rien à voir alors là je vais vous présenter un film euh, que que certains ont mais là faut vraiment euh, connaître les années 80 euh, aimer ça euh, et avoir beaucoup de chance pour le trouver <laughs> donc ce film c'est Nuit de Folie, euh, qui est un film vraiment génial. Donc c'est un film de Chris Columbus. Dedans, dedans, il y a Elisabeth Chou, en rôle, dans le rôle de la babysitter. Chris, comme moi, même prénom. <laughs> Sauf que moi je ne suis pas une femme. Euh, donc c'est voilà les babysitting, elle doit garder des gamins un petit peu euh, agités on va dire, hein, euh, dont un des un des gamins qui est amoureux de sa babysitter. Hein. Et euh, donc au cours de la soirée, re Chris reçoit un coup de téléphone affolé de son amie Brenda bloquée sans un sou dans la gare routière de Chicago. Embarquant Brad et Sarah dans sa voiture, Chris se rue au secours de Brenda escorté par Daryl, jeune satire en herbe. C'est le début d'une folle nuit dans la jungle de la grande ville. C'est vraiment le film qui symbolise les années 80. Euh, je suis euh, comblé de l'avoir trouvé. Euh, franchement ravi. Ravi, ravi, ravi. Il euh, y a Adrien euh, de la chaîne Still Co. qui l'avait trouvé il euh, y a quelque temps. Il y a Ipman qui l'a, enfin voilà, et donc on en discutait tout ça et je me suis, je m'étais, je leur avais dit, j'espère un jour le trouver et un miracle s'est produit à une deux deux ou trois semaines je crois à peu près et j'ai trouvé cette nuit de folie. Euh, je suis euh Comblé. Il y a peu de temps, euh, c'est euh, Kevin Chapelier-Tocquev qui a présenté Saved. Euh, je l'avais déjà acheté il y a un petit moment, mais ça m'a fait sourire parce qu'il l'a acheté un peu pour les mêmes raisons que moi, c'est-à-dire que bah, tout à droite, on aperçoit quand même et e. Colkin, qui a un peu grandi euh, depuis "Maman, j'ai raté l'avion", euh, et donc euh, bah, j'ai bien envie de voir ce film et voir ce qu'il donne à un âge un peu plus avancé. Donc on voit qu'il est dans une chaise roulante. Euh, C'est une comédie US avec de, de bonnes intentions, on va dire, et une, une morale à toute épreuve. Le vivre ensemble, tout le monde s'aime, etc. Et il faut aider euh, les gens. <laughs> je dis n'importe quoi. Euh, j'avais trouvé, je crois que c'était euh, il y a un petit moment à nose euh, le mariage à la grecque que j'avais déjà en DVD. Euh, mais pour des gains de place, et quand le film en Blu-ray euh, ne coûte pas trop cher, euh, surtout pour des films comme ça, ben voilà, je remplace. Et comme ça, euh, ça me coûte vraiment pas cher parce que si le film est 1,99, euh, je vais éventuellement le re revendre le film entre 50 centimes et 1 euro. En gros, ça va me coûter 90 centimes de le reprendre en Blu-ray. Euh, et au niveau de la place, euh, puis au niveau du gain d'image, on y gagne forcément que mariage à la grecque. Dans la même démarche, euh, j'ai une filmographie euh, Thomas Hanks importante, j'adore cet acteur. Euh, J'avais Nuit Blanche à Seattle en DVD, euh, pareil, je l'ai refourgué, j'ai fait plaisir à un copain, et donc je me le suis pris, eux. Blu-ray, à un prix euh, très attractif, n'est-ce pas Donc un film que j'adore hein, dans la mouvance de vous avez un message, etc. Il a fait des comédies euh, romantiques très très sympas, Tom c'est avec Meg Ryan, là, euh, vraiment génial. Et le dernier film que je vais vous présenter euh, une comédie US classique hein, euh, avec Ice Cube, hein, First Sunday, garde la foi, vole le reste. Euh, J'aime beaucoup ce, ce type de comédie, à la Friday, Friday After Next, euh, Barber Shop et compagnie. Donc, euh, la deux amis paumés, l'un sur le point de perdre la garde de son fils s'il ne verse pas suffisamment d'argent à son ex-épouse, l'autre sommé de rembourser une dette à des criminels pour une arnaque qui a mal tourné, projette de dévaliser l'église de leur quartier. C'est pas bien. Mais leur plan échoue lamentablement et les force à improviser une laborieuse prise d'otage. Voilà, comédie US, Black, euh, black Univers, euh, bien sympatoche la plupart du temps, on verra si celui-là ne déroge pas la règle. Voilà, j'espère que cette petite vidéo euh, vous a plu euh, depuis le temps. Hein euh, j'espère que je vous ai manqué un petit peu et que vous êtes content de me retrouver. N'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao